Yo tout le monde, c'est Jackie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Paris Games Week en compagnie de tous mes potes dont Flapix et sa copine, le Schlag, Winky et sa copine pour jouer à Call of Duty Black Ops 3. Vous pouvez voir à la file qui est vraiment très bien remplie. Il y a vraiment beaucoup de monde hein. Faut quand même faire attention. C'est un PEGI 18. Bonsoir, dites bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment des enculés. Vodka, dis bonjour. Bonsoir. Alors, ah ouais, attends, j'ai carrément mon système avec mon micro de merde, on fait ce qu'on peut. Donc, l'un des Pizza Guys, je sais plus combien de millions d'abonnés, non pas des millions d'abonnés, dans les 120 000 abonnés. Et on fait 1 million de vues par mois. Ouais, c'est déjà énorme. C'est un baisse quand même. Et donc voilà, on va essayer de trouver un système un peu plus tard dans la soirée, ce sera vraiment sympa. On a pu le croiser, il était au tour de là-bas. Voilà, je dirais que c'est un connard de la part de Vodka Prod. Très important, pour dire tous les youtubeurs qui ont ces sièges-là, ceux qui n'ont jamais testé, dites-vous qu'ils se mettent archi bien. C'est non, trop bien. Parce que moi j'ai toujours mal au dos quand je joue. Et on va en profiter les enfants pour demander l'avis de Florian sur le jeu. Eh oui, allez. Sincèrement, moi j'aime pas l'idée futuriste. Donc rien que le fait que ça ait été futuriste, ça m'a un peu cassé les couilles. Revenez comme avant, mais bon c'est pas grave. Après ça c'est pas le plus grave. Mais le gameplay il est super mieux improuvé, comment on dit, mieux fait. Parce que on peut courir sur les murs, ça je savais même pas. C'est mieux quand tu tues les gens, je sais pas, il y a plus d'ambiance. Genre on est plus déter sur le jeu, tu vois. Voilà, une meilleure dynamique. Mais il a les mots, il y a des belles couleurs, il y a des beaux graphismes. Parce qu'avant, on se souvient Call of Duty, par exemple moi je jouais beaucoup MW2. Genre il était sombre et fade. Celui-là il est coloré et tout, c'est bien, franchement c'est bien. En globalité, l'environnement est super bien, mais le contexte, j'aime pas. Voilà, c'est tout. Okay, merci. C'est tout pour moi, je vous aime tous. Je vous aime, vous avez entendu. Bon, maintenant, on va demander l'avis à Flapix. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Maintenant, je souhaite un avis de Call of Duty Black Ops 3. Voilà. Merci, au revoir, allez, hop. Allez, salut. Voilà, déjà, comment se fait cette chaise? Alors, cette chaise, franchement, on peut dire qu'elle est pas mal, hein. D'ailleurs, je vais m'endormir dessus, j'ai pensé. Non, en vrai, wow, si je pouvais rester dessus, mon gars. Ouais. Alors, j'ai l'impression que les gens derrière toi sont plutôt à l'aise. Ça, Winky, on est bien? Ouais. Bah, il a l'air vachement concentré. Vraiment très heureux de jouer à ce jeu, hein, Star Wars Battlefront. Et regarde-moi cette tête de con. Je vous présente Tizo, directeur de Code QG, et Koga, donc, avec qui on a pu faire un live, deux lives. Sur l'ecto-zombie Outbreak et Infection il y a un temps maintenant. Tiens, dis-moi Tizo, on a croisé Skyrose, mais on n'a pas pu lui parler, tu sais pas par où il va. Bah moi je peux lui demander, mais j'ai son numéro mexicain, donc je t'avoue que ça me... Ah bah oui, numéro mexicain. Et il va raquer pour l'appeler en France avec son numéro mexicain. C'est ça. Si vous voulez, on va vers le stand de Black Ops 3. Quoi. Ouais, est-ce que t'as pu y rejouer depuis? À Black Ops 3? Ouais. Ouais. Là, ça tourne pas. J'ai rejoué. On va pas pouvoir dire. Est-ce que t'as joué sur quelle map? Ça, c'est bien. Au niveau du multi? Ouais. J'ai oublié les noms. Métro, non? Avec les deux trains qui passent au milieu. Oui, il y en a tellement. Ouais. Ah, vous avez tout joué? Ouais, métro. Ah, t'as de la chance, hein. Est-ce que t'as touché aux zombies? J'ai compris. T'as touché aux zombies? Là, ça tourne, je veux pas parler. Non, mais on a pas le droit de. Vous avez pas le droit de parler? On a pas le droit de parler. D'accord. Non, ça marche. Tu veux aller vers Black Ops 3? Ouais, vas-y. Aujourd'hui on est en compagnie de Skyrose, j'imagine que vous l'avez reconnu. On va aller faire un petit tour avec lui, juste le temps qu'il aille à un autre stand, on va pas le percher plus longtemps. On aimerait avoir quelques informations sur Black Ops 3. Qu'est-ce que tu penses après la bêta, maintenant que tu as pu jouer à ça, qui est un peu, déjà un peu plus définitif? Est-ce que tu as des nouveaux avis à donner, notamment au niveau du sniper? Bah là en plus l'avantage c'est qu'on peut tester le quatrième sniper qui était resté secret jusqu'à maintenant. J'ai pu le tester et franchement il est encore mieux que le Locus. Et je pense qu'on arrive à un moment dans l'année où là, la seule chose qu'on attend, c'est le jeu. La sortie du jeu et oui, la hype, elle semaine, est au maximum. Quoi. C'est normal. Et est-ce que c'est un semi-automatique ou c'est un... Volt action. Ok, ça marche. Donc c'est le kiff. Ouais, ça, c'est vraiment parfait. Quoi. Ok, très bien. Et voilà, j'ai vu que tu as fait une vidéo au niveau du zombie il y a très peu de temps. Il y a un ou deux jours. Et voilà, donc avec Flap, on fait beaucoup de zombies. Est-ce que...
un petit avis, si t'as pu y toucher même, je sais pas. Non. Ok, c'est pas grave, si t'as pas le droit d'y dire, c'est vraiment pas grave, y'a aucun problème. Et Le zombie est bien. Le zombie. Ok, merci. Et au niveau du jeu, les maps, est-ce que tu en as pu en tester d'autres? Parce qu'on avait eu Combine, Untied, Storm France, je crois que c'est ça, et la dernière, je ne me rappelle plus. Ouais, là c'est Havoc qu'on a pu tester, donc une cinquième map qui n'avait pas été dévoilée jusqu'à maintenant. Non, bien, vraiment. Toutes les maps font vraiment penser à Black Ops 2 sur les couleurs, sur la dynamique. Et donc finalement, si t'es fan de Black Ops 2, Black Ops 3 est vraiment une suite logique, quoi. D'accord, bah moi j'ai pas forcément été fan de Black Ops 2, plus de Black Ops 1. Et après, on a pu tester la map Metro avec le métro qui passe un petit peu comme Express. Et moi j'ai trouvé assez sympathique. Je sais pas si t'as pu la tester, c'est une map qui est à peu près en longueur. Et voilà, est-ce que t'as pu voir Nocturne? Non. Non, ok, ça marche. Ok, bon, on va pas t'embêter plus longtemps. Pas de soucis. C'était un plaisir de pouvoir parler. À une prochaine. Prochaine. Ce jeu a l'air d'être fort sympathique. C'est un jeu de combat avec une manette très spéciale. Voilà. En gros, tu appuies sur tous les boutons et ça fait des kills. On a joué à Rainbow Six Siege, ces fauteuils sont vraiment très confortables, je confirme. Et on a pu croiser Super Connard, voilà, ça fait plaisir d'avoir vu Cyril, c'est un assez moche, assez drôle, assez roux. Et donc voilà, bon, on va donner un petit peu de Rainbow Six Siege quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Qu'est-ce que toi t'aimerais te dire d'abord? Pas mal. Ouais, il a dit que c'était pas mal. Alors, c'est un jeu d'infiltration qui est vraiment... vraiment tactique, très intéressante. C'est, tu choisis plusieurs classes, il y en a un pour défoncer les murs, etc. Le type pose des charges, ça dépend. Il y a les attaquants et les défendeurs. T'as un immeuble dans lequel tu dois défendre ou attaquer, et une salle en particulier où est-ce que tu dois gagner. Donc voilà, notre objectif maintenant, ce serait pas mal de voir Amixem ou l'Incuteracide. C'est incroyable. On a vu quasiment tout le monde, il manque plus que le V12. Ce serait pas mal de le voir aussi. Et voilà, bon, pour Rainbow Six Siege, je pense que j'achèterai sur Xbox One. Bonsoir. Vous allez vous, commandant Baguette? Très bien, toi. Ah, très bien. J'ai déjà vu dans la soirée. Bon, on a croisé Cyril. Vous cherchait. Il nous cherchait, nous. Il cherchait qui? Je crois qu'il cherchait Amixem. Il est venu vers là-bas. Salut, ça va? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu sais que je suis un très très vieux de la chaîne. C'est vrai? Je t'ai connu à Battle Fion. Wow, oui, en 1910, c'est par là. Très bon, ça. Voilà, The Cop Gameplays. Ah oui, c'est. Et puis voilà, toujours fidèle au poste. Ça fait quand même plaisir de te voir. Bah, c'est partagé, mon cher. J'avoue que je t'ai croisé quand même deux fois. Et puis... quand? Ici là? Ouais. Parce que j'ai pas eu le temps de venir te voir en fait. Parce que à chaque fois, on devait rentrer dans un jeu. Et c'est là où j'étais déçu. Est-ce que tu serais pas sur Red Dead Redemption? Ah, il y a ce week-end. Je sais qu'il y a un truc, j'espérais les voir ce soir. Ok, c'est pas grave. Est-ce que je peux prendre une petite photo? Oui.